Le président du conseil général est toujours devant la porte. Il attend que monsieur le recteur veuille bien lui ouvrir la porte. Nous pensions qu'il était représentant du ministre, mais apparemment non. Donc il faudra qu'il appelle le ministre pour qu'il nous force à obtenir quelque chose, parce que jusqu'à présent, la négociation est bloquée. Nous avons une équipe qui nous explique ce qui est bon pour la Guyane et qui n'entend pas les exigences, l'ambition que nous demandons, que nous avons pour l'éducation en Guyane. Et ça, c'est catastrophique parce que je ne vois pas comment il peut obtenir des moyens de Paris en étant intimement persuadé, ce qu'il nous explique depuis qu'on est là, que tout va bien. La pression commence à monter. Nous allons retourner en délégation vers ce recteur, et fort de votre appui, nous allons lui imposer maintenant qu'il prenne des décisions fermes pour avancer. Aujourd'hui dans la rue, et demain on continue. Aujourd'hui dans la rue, et demain on continue.